coup, là, vous devrez faire en sorte de faire ça. Alors, chaque personne doit travailler là-dessous et moi-même, je ferai tout le nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant. Et en plus de cela, je tiens aussi à vous dire que en ce moment, on va travailler d'une manière totalement dynamique et progressive. Alors, vous savez très bien qu'il y en a deux moments ici, on a fait presque un mois et quelques sans faire beaucoup de choses, mais les gens qui sont dans le groupe de WhatsApp ou bien de Telegram, il sait très bien que j'ai balancé tous les documents là-bas, que chaque personne pouvait directement faire quelques travaux. Alors, cela va nous permettre d'avancer rapidement et de faire les différents tutos qui vont directement continuer. Alors, je vous laisse là et je vous ai dit à très bientôt. Alors, si vous n'avez pas vu le premier tuto, alors regardez seulement là-haut, vous verrez directement le lien qui va vous permettre directement de cliquer et aller regarder le premier tuto. Le cours se base sur tout ce qui est de VLAN et inter-VLAN jusqu'à la fin de ce module avant d'aller plus loin. On parlera de quoi? De la sécurité. Et là, toute personne qui est en licence 3 ou bien en master, il devrait suivre le cours d'une manière. Il devrait suivre le cours avec de l'intention. C'est ça l'objectif. Alors, je vous remercie. À très bientôt.